Sainte-Hélène, qui a été si intimement mêlée dès les débuts de la colonie à l'histoire de Montréal, n'a aucunement perdu aujourd'hui de son importance pour la métropole du Canada. La vedette de notre film, Napoléon. Il a une grande journée devant lui. Contrairement à son homonyme, le grand empereur, le fait d'être à l'île Sainte-Hélène ne gâte rien à sa joie de vivre. Une courte visite aux vieilles casernes, puis il quitte ce coin de l'île, laissant derrière lui les lourds canons de fonte, pour se promener à loisir le long de sentiers ombragés. Exactement comme une vacance à la campagne. Il y a tellement de choses pour intéresser un enfant sur une île, un jour de congé. Et beaucoup de beaux points d'observation sur la ville qu'on a quittée. Marche seul, sans arrière-pensée, sans préoccupation, tout seul au monde, la détente idéale. Napoléon se sent l'âme d'un explorateur. Qui sait quelle surprise réserve cette île inconnue? Tiens, voici de quoi éveiller l'imagination. Cette tour de pierre perdue au milieu des bois, tout au sommet de la colline et qui domine le fleuve. L'île Sainte-Hélène a eu une longue histoire. Elle a été un élément important des défenses de Montréal lors de la guerre de 7 ans. Et c'est ici que le noble chevalier de Lévis et bien d'autres officiers de l'armée du dernier gouverneur de la Nouvelle-France, le marquis de Vaudreuil, voulurent livrer leur dernier combat et résister jusqu'au dernier homme aux armées anglaises victorieuses. C'est aussi sur cette île que Charles le Moine fut capturé par les Iroquois lors d'une expédition de chasse. Ce vieux blockhouse date de 1760. Ce n'est qu'un des nombreux souvenirs militaires qui soulignent le passé historique de l'île. Tiens, voici Napoléon. Complète-t-il comme Napoléon le Grand un retour de l'île Sainte-Hélène ou une attaque contre la ville? Attention, voici les policiers. Ou du moins l'un d'entre eux, bien amical d'ailleurs. Napoléon est partisan du retour à la terre. L'île Sainte-Hélène n'est pas appelée ainsi à cause d'une des nombreuses saintes qui ont le même patronyme, ni même avec cette grande Sainte-Hélène qui, il y a plus de 16 siècles, retrouva la vraie croix à Jérusalem. L'île fut achetée par Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, avec une partie de la dot de sa femme, dont le nom était Hélène Boulay. De ceci, Napoléon ne se préoccupe guère. Il pense à bien d'autres choses. Des choses qu'il peut réaliser immédiatement, comme aller nager.
La ville de Montréal a beaucoup développé ses services récréatifs à l'île durant les dernières années. Et elle y a installé 3 piscines extérieures modernes. 2 d'entre elles sont réservées aux baigneurs, alors que la 3e ne sert qu'aux plongeons. Nous voici arrivés à la piscine réservée aux plongeons. Dans les 3 piscines, sous la surveillance de sauveteurs bronzés par le soleil, près de 5000 personnes peuvent se baigner à la fois. Le sifflet avertit les enfants du danger de nager trop près des tremplins et de se frapper tête contre tête. Mais avant que Napoléon ait le temps de se rendre à la piscine, il voit son ami Gilles, bien attentif à lire un avis. Un cours de natation et de plongeon est actuellement offert. Puis arrive l'instructeur. Napoléon pense, est-ce qu'on va retourner à l'école civique? Ah, mais c'est une différente espèce d'école. L'instructeur réussit à convaincre tous les enfants de commencer le cours immédiatement. Prêt? Prêt? Il est, voici parti. L'entraînement vient de commencer. C'est pour Napoléon une course contre le temps, une course contre plusieurs de ses amis d'école. Avec son nom et sur l'île Sainte-Hélène, comment pourrait-il gagner? Napoléon a encore beaucoup à apprendre. Et voici que le lendemain, frais et dispo. Dès l'ouverture de la piscine, notre Napoléon est de retour pour continuer son cours. Premier arrivé, premier servi. Il y a déjà beaucoup d'activités dans l'île, si tôt le matin. Mais il reste beaucoup à faire avant d'obtenir un diplôme, et ses enfants le savent. L'instructeur le sait aussi. Napoléon semble s'y lancer pour de bon. Vous ne pouvez vaincre les forces combinées d'un chronomètre et d'un instructeur bien déterminé. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire, se plier à leurs exigences. Napoléon essaiera encore. Pendant ce temps, les progrès de notre héros ne sont pas seulement chronométrés, ils sont enregistrés, ce qui donne une allure très officielle. À demain! Et nous y sommes aussi. Napoléon n'est pas seul dans ses tentatives matinales. Beaucoup d'autres, comme lui, sont assidus au cours. Il y a de la concurrence en vue. En avant! Et c'est bien ainsi que nos jeunes amis le comprennent. Un autre jour, un autre tour. Les choses vont rondement maintenant, avec en plus des exercices de sauvetage. Il n'y a pas que la natation qui compte. Il y a aussi le sauvetage. Et ce n'est pas une affaire négligeable pour un petit gars, même si son nom est Napoléon. Ses enfants reconnaissent le besoin de prendre des leçons de sauvetage. Même s'ils ne gagnent jamais de médaille, ils seront tout de même prêts dans tout cas d'urgence. La course contre le temps semble avoir plus de succès maintenant. Napoléon sera bientôt prêt pour le concours. L'entraînement est du bon. Les spectateurs aussi savent apprécier. Et maintenant, c'est la course d'essai avant le grand jour. Napoléon est bien en forme et désire vaincre son ami Gilles, qui n'a pas été toujours aussi matinal que lui. Voici le vainqueur. Personne d'autre que notre Napoléon.
espérons que la course de demain aura autant de succès. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Les plongeurs professionnels pratiquent quelque peu avant que la piscine ne soit libérée pour l'examen. Il y a un jury sévère à affronter. Et il y a aussi les amis, tout prêts à vous encourager. Et aussi de bons exemples à regarder et à imiter. Voyez ce professionnel. Et le voici encore. Gilles ne connaît pas tous ces plongeons par leur nom, nous non plus d'ailleurs. Mais les juges de ce concours les connaissent bien, comme vous pouvez l'imaginer. Ils ont des méthodes très précises pour indiquer leur pointage. Quant au public, sa manière de juger est moins technique, mais un bon athlète et une bonne performance sont toujours reconnus. Bien, voici de nouveau ce même plongeur. Même le jury apprécie ce spectacle. Personne n'a un cœur d'acier. Maintenant, regardez les véritables amateurs. La perfection ne vient pas tout de suite. Elle demande du temps et de la pratique. Un beau jour ensoleillé d'été n'encourage pas toujours l'effort sérieux et continu. C'est pourquoi Napoléon et ses amis pourront barboter à leur aise pendant quelques minutes, avant de se présenter à leur examen, ce qui leur permettra d'être plus en forme, aussi bien pour la natation que pour le sauvetage. Le jury est maintenant prêt. Gagner une course, quand on s'amuse avec les amis, est une chose. Mais c'est toute une autre affaire que de nager devant un jury à l'œil exercé et avec le chronomètre toujours menaçant. Jusqu'ici, tout va bien. La maman de Napoléon est là et elle est anxieuse. Un autre succès. C'est un bon jour pour Napoléon. Il est presque un vieux professionnel maintenant, avec une galerie d'admirateurs pour l'encourager. Voici le dernier concours pour Napoléon et ses amis, le sauvetage. Gilles réussit très bien, un vrai rival pour Napoléon. C'est une affaire beaucoup plus sérieuse. Gilles peut sauver sa vie en sachant nager, mais il pourrait aussi sauver la vie de quelqu'un d'autre s'il est entraîné dans la technique du sauvetage. Qu'est-ce qui vient maintenant? Ah oui, c'est maintenant au tour de Napoléon. Un sauvetage réussi lui apportera le certificat qu'il convoite. Oh, voyons, mais qu'est-ce qui arrive? Ce patient a été sauvé trop souvent. Un homme peut-il avaler tellement d'eau? Enfin, une nouvelle victime. Oh, notre Napoléon n'est pas sorti de là. C'est tout un poids à manipuler. Maman se demande ce qui va arriver. Elle a raison d'être anxieuse, mais qu'a-t-il à faire pour Napoléon sinon que d'essayer et d'essayer encore? Et il plonge de nouveau pour démontrer ce dont il est capable. Ce n'est pas l'encouragement qui manque à notre héros, mais il a besoin de plus que de l'encouragement en ce moment. S'il pouvait donc peser quelques livres de plus et la victime quelques livres en moins, tout serait si facile.
Et finalement, le sauveteur doit être lui-même sauvé. Pauvre Napoléon. Sa mère elle-même n'a guère le cœur à rire en ce moment, mais la vie doit continuer quand même. Un moment de pause, le temps d'exprimer sa sympathie pour un héros tombé. Beaucoup sont appelés. Plusieurs aussi sont choisis, y compris le rival et ami de Napoléon, Gilles. Gilles et Napoléon ne sont que deux des milliers d'enfants et adultes qui profitent des avantages offerts durant l'été par les piscines de cette île sœur de Montréal. Des cours de sauvetage et de natation sont aussi donnés fréquemment par plusieurs organisations indépendantes. Des applaudissements saluent le travail bien fait. Mais que peut attendre Napoléon? Hélas, aucune récompense pour lui. La malchance et la décision du jury sont contre notre jeune ami. Maintenant, Napoléon sait quels sentiments peuvent agiter son lanceur favori quand il perd une partie de balle, ou qu'on l'expédie aux douches, ou encore comment réagit une de ses idoles du hockey quand le club canadien est vaincu. Il laisse maman loin derrière lui. Pour lui, l'île ne présente plus guère d'intérêt. Tiens, voici un petit gars qui ne se fait pas de bile. Tout ce qu'il désire, c'est aller nager gratuitement. Le matin, il n'y a pas de charge d'admission aux piscines de l'île Sainte-Hélène. Mais durant l'après-midi, on exige un droit d'entrée minime, un petit montant, qui disparaîtrait d'ailleurs facilement au restaurant du coin. C'est vrai qu'il reste toujours le fleuve, mais le danger y rôde souvent le long de ses courants rapides, semés de remous redoutables. Un beau jour calme d'été, en effet. Mais en quelques secondes, la tragédie frappe. Mais Napoléon arrive à la course, voit ce dont il s'agit. Il s'attaque cette fois à un problème à sa mesure. Un vrai sauvetage tiré directement du manuel. Maintenant, l'aide vient de tous les côtés à la fois. Elle aurait été peu utile toutefois si Napoléon n'avait pas été là au bon moment. Tout ce petit drame si brusquement arrivé et qui aurait pu tourner à la tragédie si Napoléon n'avait pu mettre en pratique le mot d'ordre des scouts, toujours prêt. Et à la piscine, tout va comme à la coutume. Mais la nouvelle du sauvetage de Napoléon n'a guère pris de temps à se rendre jusqu'ici. Et le héros exécute un retour triomphal. Les circonstances ont donné à Napoléon l'occasion de montrer ce dont il était capable. Napoléon va affronter de nouveau le jury. Mais cette fois dans des circonstances tout à fait différentes. Quand justice doit être faite, il est possible de contourner les règlements. Et il est juste que Napoléon reçoive son certificat de sauveteur. Il l'a hautement mérité. La pratique et l'expérience l'emportent sur les connaissances livresques, comme la chose arrive souvent. Non, nous ne sommes pas rendus brusquement parmi les sauvages. Ici, c'est encore l'île Sainte-Hélène, à quelques minutes de Montréal. Et maman est contente, comme seule une maman peut l'être. Bravo, mon Napoléon! Aucune victoire du grand empereur n'a pu être plus grande. Voici donc un certificat de sauvetage réellement bien mérité. Tout est bien qui finit bien. Napoléon n'est qu'un des 200 000 Montréalais qui trouvent à l'île Sainte-Hélène durant l'été, si près de Montréal, un oasis de paix, de fraîcheur et de beauté, loin de l'asphalte brûlant de la plus grande ville du Canada. Là, tout, les corps et beauté. L'île Sainte-Hélène.
Il sert de Montréal.